Hello à tous et bienvenue dans l'univers de Dizzy Drummer chez Toontrack. Voilà donc comment ça se présente. C'est un logiciel dédié au son de batterie. Vous en avez un petit aperçu sur la fenêtre d'accueil. On retrouve une batterie dans sa configuration minimaliste. Grosse caisse expert, 3 tomes, 3 cymbales, Charleston. Donc là par exemple vous avez le kit par défaut. On peut entendre les sonorités avec la souris. Je peux changer les kits. Si par exemple je mets un kit ambiance, on charge les mémoires. Et je n'aurai pas les mêmes sonorités. On peut naturellement manipuler ces sons aussi bien avec la souris qu'avec le clavier USB. Pour revenir au logiciel, vous avez aussi une table de mixage avec les éléments de la batterie séparés, les overheads très efficaces et une piste room. Autre particularité de ce logiciel, lorsque je rentre toujours sur ces mêmes fenêtres d'accueil dans Open Groove, je rentre dans une librairie de différents styles de musique avec différentes sonorités, des fils, des grooves dans des mesures différentes du 4-4, du 3-4, 6-8, etc. Naturellement, pas tous vous les faire écouter, mais regardez la qualité d'enregistrement et de son. Donc par exemple, je me mets dans Funk Rock, le groove numéro 1, proposition des variations numéro 7, on l'écoute. Ma piste MIDI est ouverte dans mon logiciel, je prends la piste. Elle apparaît en MIDI, je peux la caler désormais et la copier autant de fois que je veux pour en faire des boucles. Il suffira de trouver le bon tempo. Naturellement, je peux y insérer des variations de rythme ou des breaks. Donc je prends une autre piste, je la fais glisser, je la cale à la suite et on obtient à partir du moment où je suis en MIDI, je peux augmenter mon tempo comme je l'entends. Et je vais retourner sur la mixette. Et là, je peux influer directement sur le son. Deuxième micro, les overheads, Charlie, la room, et j'ai plus qu'à doser selon mon goût, panoramiquer comme on veut, et ensuite rajouter des effets directement via la piste Dizzy pour aller chercher les banques d'effets que l'on veut. Ça, c'est dans le logiciel musical. Donc une flexibilité complète au niveau du MIDI, soit la souris, soit grâce au clavier MIDI. Puis je vous fais revoir directement avec la batterie électronique. Là donc la piste MIDI lue par Toontrack. Donc je vais pouvoir moduler, changer les informations comme bon me semble, modifier, panoramiquer, mettre des notes plus fortes, moins fortes, enfin, comme je veux. Je suis dans le logiciel, il n'y a pas de problème. Voilà ma piste. Alors bien sûr, je peux changer le son. J'étais sur cette sonorité-là. Si ça ne me plaît pas, il n'y a aucun souci. Et je peux naturellement mixer ça. Je peux donc faire ce que je veux avec
Toontrack, soit utiliser mes propres boucles rythmiques via du MIDI, soit utiliser des sons internes au logiciel. Une nouvelle façon de travailler la batterie, idéale pour les productions de home studio, à mixer avec une batterie acoustique, il n'y a aucun problème. On fait ce qu'on veut avec ça. Longue vie à Easy Drummer.